Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière en attendant la sortie de The Lamplighters League. J'avais envie de revenir sur un jeu qu'on avait fait en live qui m'avait beaucoup plu. Hein, on en était assez balbutiement. Une démo est sortie, le jeu est prévu pour la fin de l'année. Il s'agit bien évidemment de Micro-Civilisation. Donc, avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. On revient donc sur ce Micro-Civilisation. En gros, développer une civilisation au travers les âges avec c'est un needle clicker grosso modo sur PC bien évidemment. C'est trouvable pour l'instant sur Steam et le jeu est vraiment vraiment cool. J'avais envie d'y revenir parce que la première fois on avait vu hein, il y avait beaucoup de potentiel mais c'était quand même assez dur. Donc on va voir comment ça va évoluer et surtout est-ce qu'on va mieux s'en sortir à cette fois. Alors, on a, vous voyez, pour l'instant, on a une population de 1. On peut mettre jusqu'à 5 personnes dans nos maisons. De toute façon, on n'en a pas. On a une croissance de blé de 0. Et on a une croissance de science de 0,1 par seconde. On va choisir d'ailleurs notre première science. Foraging, ça, on l'a. Fire, donc le feu. Pour l'instant, le jeu est en anglais. Hein. Ça va coûter 4 de recherche, donc 40 secondes pour être complété. Et ça va nous permettre de construire des maisons en bois pour, eh bien, pour de la population. Ok. Avec le blé, on peut acheter ou du moins faire grossir notre population. Plus on a de pop, plus la recherche va vite. Hop, on clique 10 fois, ça nous donne 2 de population, on a 4 d'espace, et c'est pour ça que c'est un clicker. Là, on va monter jusqu'au max. Ok, on n'a plus d'espace. Mais on a terminé notre recherche. Il nous faut du bois pour ça. Eh bien, c'est pareil, il faut cliquer. Hop. Résultat, on a construit une petite maison, ça nous a augmenté notre capacité de 5 et ainsi de suite. Alors ici, hop, si on essaye de se diriger vers les outils, ce qui nous permettra de gagner plus 1 de bois par clic et surtout plus 1 de bois par seconde. Let's go. On va augmenter notre population au max. Alors, avec la population, vous avez gagné une unité de travailleurs. Les travailleurs génèrent la nourriture par eux-mêmes au fil du temps. Vous voyez, on a un travailleur, on gagne un par seconde. Par contre, on n'a plus de quoi installer tout le monde. Paf! Et ici, on gagne un de bois par seconde. Alors, complétez le challenge bonus pour gagner une récompense supplémentaire. Alors, il faut qu'on atteigne 20 populations. Pour ça, il nous faut des maisons. On va en construire une de plus. Voilà, comme ça, on a pas mal de marge. Parfait. On a eu le petit bonus. Alors, on va vouloir du cuivre pour débloquer le Spearman, donc le lancier ou le piquet, c'est au choix.
Et on a du coup, grâce à notre objectif bonus atteint, un bonus de plus 25% de recherche. Alors, je préfère avoir une très très grosse marge de maison. Pas pour l'instant de population. Voilà, très bien. Ici, on n'est plus qu'à 0,6, évidemment. Hein. Plus on a de population, et bien plus la population consomme de nourriture. On vient de faire les lanciers. On peut maintenant commencer une quête pour commencer à explorer la carte du monde. Oui, ça c'est bien. Par contre, plus 2 par travailleur. On va commencer par les murs. Ça doit être ici, hein. Une crise, non, on n'est pas prêt, hein. Alors là, on nous dit que de multiples quêtes peuvent être commencées au même moment, mais il faut faire attention à ne pas accumuler trop de risques. Et là, on est déjà à 35%. Alors pourquoi je voulais pas partir sur l'autre quête? Parce que ça termine sur une crise. Voilà, ce genre de choses. Là, on va être ficelé, franchement. On essaye de prendre de l'avance. Franchement, j'aurais dû attendre de terminer les recherches que je voulais. Eh oui, mais on n'a pas d'unité encore, on n'a pas formé. Allez, on va peut-être s'en sortir. Ok. On peut récupérer notre quête, notre récompense. Alors, un héros commun. Ou meilleur. Ok, on va prendre ça. Et du bois. Là, on a terminé la première recherche. Ok, on va s'occuper du héros puisqu'on n'a pas le choix. Notre premier héros. En collecte, ça nous donne quoi? Virgilio Puelling. Ok, c'est un guerrier de toute évidence. Hein. On rajoute des dommages de base. Et rationalisme. 50% de vol de vie. Ok. Donc ici on a terminé une recherche. Alors on doit atteindre 50 de population, 100 de population et battre les mammouths au moins une fois. Il nous faut combien? 1 minute 36. Ok. Let's go.
On est à plus 0,5, c'est pas foufou, hein. On a déjà eu 5... Non, j'ai cru que c'était 5 morts, mais en fait, c'est le multiplicateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on peut faire ça. On va commencer à faire un peu d'armée. On a tellement d'espace là. Toujours à plus 0,5. On va booster un petit peu, hein. On est toujours à 0,4. Plus 1,4. Très bien. Ça, c'est fait. Ah, j'ai pas de pierre. On va continuer là-dessus, hein. On va continuer à faire grossir notre population. On va descendre à plus 1. Ok, ça c'est fait. Plus 2. Et là, on va faire Lumber Mill. Donc en fait, c'est le moulin. Donc là, plus 5,2, c'est fat. C'est très très fat. Là, on monte vite. Ça va descendre aussi vite, hein, notre bonus. Hein. Et ça va permettre d'augmenter notre vitesse là-dessus. Du coup, est-ce qu'on peut aller s'occuper du mammouth? Pourquoi pas? Ok. Une crise à la fin. Free space 112. On est encore très très large. On a deux travailleurs. Donc dès que la recherche sera terminée, on va pouvoir faire une scierie. J'ai dit moulin tout à l'heure, mais c'est scierie en fait. Centre population. Alors on a fait ça. On a déjà gagné ça. Paf, on va prendre le boost. Là, on récupère ça. On va choisir... Nouvelle science, je veux le plus 2 par clic. Oui, c'est très long. Le 2 par clic. Ça, on va construire, évidemment, comme c'est demandé, ceci. On pourra y mettre un travailleur et ça va nous augmenter notre rendement en bois. Voilà, effectivement, on le voit ici, ça produit du bois. Ouh, le mammouth qui arrive. Donc il devrait pas faire trop de mal, du moins j'espère. Tiens, prends-moi ça. Ah, crise résolue, on gagne un héros et de la croissance, parfait. On va collecter les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand on aura les barracks, on gagnera plus 1 de bois par clic, nationalisme plus 33% de dégâts, de base on fait 1 à 2 de plus. Et ici on a quoi? Ouh, la production. Toi tu viens là. Plus 0,8, plus 8% par seconde et plus 0,5 par seconde. Hmm.
Nationalisme plus 33% de dégâts. +4/7 plus 33% 5/8. Les Spearman font 2/3. Non, en fait, celui-là, il est mieux. Hein. On va garder celui-là. Alors, utiliser le moulin, donc la scierie, hein, sinon, pour charger instantanément et ajouter du bois à notre projet en cours. Oui, mais non, pas pour le moment. Voilà, ça c'est fait. Je peux toujours pas faire de bloc là-dessus. Alors, on va faire autre chose. Déjà, on va récupérer ça. Un héros. Un deuxième héros. Ok. 6 quêtes. 4 barbares à battre. On va partir. Et si on est deux, En fait, quand on arrive au bout, là on est à 2 sur 4, ça permet de convertir en forêt. Et vu qu'on a en plus une scierie, bah, ça nous ferait encore plus 3 de bois par seconde. Une farm. On va partir là-dessus. War Crisis. En même temps, c'est ce qu'on nous demande de faire. On a plus 12,3. On est fat, hein, là, quand même. Quelques maisons. Sans de remonter au-dessus de 5. Alors, le bouton d'autonomie. Non, on s'en va pas faire. Ça convertit les tokens en autoclic. Non, j'ai pas besoin. On va garder pour le moment. Quand ce sera utile, peut-être. Paf. Les barbares. Et ici, paf. Faites ça. Ok, crise résolue. Un héros et de l'argent. Alors, l'argent peut être utilisé pour acheter d'autres ressources. Pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. Là, on a récupéré notre lancier. On continue là-dessus. En 23 secondes, ça, ce sera terminé. On va regarder rapidement. Voilà. Ou ça, ça peut être intéressant. Repousser la crise de 30 secondes. Ça coûte 300 quand même, hein. Et ici, gagner 5 minutes de recherche, ça coûte 300 également. Ça peut être... C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Là, on a quoi? Ah. Ça peut être intéressant, ça. Mais on veut encore aller là-dessus. Les barbares, on sait. Difficulté dure. Oh, il me semblait qu'on pouvait les gérer. D'accord, trop dur, bon. C'est qu'est-ce qu'on a facile. Visiter une tribu. Il y aura trois options de récompense.
un dilemme aléatoire, ça je suis pas fan. C'est d'avoir des travailleurs. On va progresser un petit peu. Ok, on va construire quelques maisons là parce que là notre population augmente terriblement rapidement. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on veut? Les baraques. À moins qu'on puisse faire ça. Non, c'est considéré comme dur. Allez, on essaie d'avancer le plus vite possible. J'aurais dû prendre une quête qui me permet d'avoir du bois. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. 45%. Quand ça s'active, plus un soldat en capacité, ça peut être bien. Le truc, c'est qu'on a les mammouths aussi. On va plutôt partir là-dessus. Allez, hop. On va augmenter notre capacité encore au maximum. J'aimerais bien être à 100 pour être à peu près tranquille. Allez, feu de niveau 6. Hop, ça tu me construis ça. Là, on est un petit peu mal. Ok. On va essayer de s'en sortir. On n'a plus assez d'espace. Il va falloir reconstruire beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons. On a 69 vagabonds, ça me va pas. Hein. Ah, il manquait pas grand-chose, hein, franchement. Allez, hop. Ok les vagabonds, on va vous trouver du logement, vous inquiétez pas. Ça c'est quoi? Ok, faut faire réduire ce pourcentage, hein. Évidemment. Encore 100 vagabonds. Oui, on n'a plus d'espace, ah ben je sais bien. On veut réparer ça aussi. Voilà, ça c'est très bien. Ok, on est bon. Hein. Hop, on va prendre ça, un héros. Ok, là on est plutôt pas mal. On est tombé à 7%. 6. Là on a un bon rythme. Oh. Parfait, ça on a fait. Les barracks. Qu'est-ce qu'on veut? Honnêtement,
La poterie. Qu'est-ce que ça nous donne? Un héros. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors ici on a quoi? C'est pas mal. Alors les ronds on n'en avait pas. Donc plus 31% par clic, plus 0,5, 70%, moins 2. Travailleurs. Ici, qu'est-ce qu'on a? Plus 24% par seconde, plus 9% de dommages. Exploitation, plus 25% par clic. Avec plaisir. Merge, on peut pas. Ça c'est mieux. 0,8 pour 1. Il reste 22 vagabonds. Là on est en train de croître encore. Ici on diminue la chaleur une bonne fois pour toutes. Alors on peut utiliser une habilité de leader. Le truc c'est qu'il y a des effets négatifs. Voilà. Ici, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça prévient un risque. Mais par contre, ça m'utilise deux travailleurs. Non, on est très bien comme ça. Alors on va commencer par ça, s'il vous plaît. Ok, ça c'est fait. On va enchaîner plus 25%, plus 2 par clic. Plus 2 par clic, par contre. Ça c'est intéressant. Voilà, on gagne pas mal de bois, ce qui va nous permettre de faire tout ce qu'on a à faire à peu près tranquillement. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais vouloir ça. On va te filer un coup de main parce que là, ça coûte cher. On est plus qu'à 4 par seconde de croissance. Va falloir qu'on s'en occupe après. Ok. Alors, on a fait un fort. Les unités. Faut attendre 1 minute 45 pour avoir une charge supplémentaire. Je veux faire ça, le workshop, pour avoir une capacité de soldats augmentée. Pour gérer les crises, ce sera très bien. Hop, ça c'est bon. Plus de packs. Clic, on va partir là-dessus maintenant, hein, c'est le dernier qui nous manque. Voilà, là ça permet de booster notre attaque de 200% et pour l'instant on a une charge. On va vouloir plus de charge avec le temps évidemment. Ok, là du coup on peut avoir 3 Spearman maintenant. On est à moins 2,6, ça c'est par contre c'est pas cool du tout. Un petit peu histoire de pas perdre. Ok, ça c'est fait. Ça je peux pas le faire. Il
du coup, on va partir sur la chasse au mammouth. Let's go. Normalement, là, quand les mammouths vont venir, on sera prêt à les recevoir. Ici, sur quoi on veut pas... oui. Plus 1. On veut repasser dans le positif, évidemment. Alors ici, utiliser l'habilité du grenier pour gagner 1 de nourriture. Ok. Pourquoi pas. Pour récupérer des pertes. Ah oui, moins 3,7 d'un seul coup, non. Il faut 200. Ok, là c'est mieux. Préparer des archers, le marché ou le moulin. On va prendre le moulin. Paf. Crise résolue. Qu'est-ce qu'on gagne? Un héros. Ah, et un boost de nourriture. Parfait. Exactement ce qu'on voulait. Ah, il nous reste des vagabonds, cependant. On va terminer celui-là. Histoire d'aller un petit peu plus vite. Ok, on passe là-dessus. Ça, c'est fait. Parfait. Le marché. On va terminer notre troisième lancier. Ok, il me reste encore 37. Ah, ça me demande de la pierre. Ok. La pierre, j'ai pas encore accès. On va partir là-dessus. Construire un maximum de baraques tant qu'on peut. Trois forts. Ok. On va les avoir naturellement, je pense. Ah oui, on en a un nouveau. Collecte. Plus 19 par seconde, base dommage. Centrale plan, plus 30 par seconde. Non, je suis bien avec ce que j'ai en fait. Ok, c'est des versions upgrade, et bah très bien. Non, alors on va attendre d'avoir résolu tout ça.
Ok, là on va gagner de la pierre. Si on gagne de la pierre, on va pouvoir faire ça. Ok, on peut convertir en autoclic, mais voilà, j'ai pas spécialement envie. Ok, ça c'est fait. J'ai envie que tu construises ça aussi. Donc on peut le faire. Alors, en trouvant des héros rares, on pourra augmenter notre capacité de mode automatique. Intéressant. Ok, ça c'est fait. On va rester là-dessus. On va partir peut-être sur la quête des mammouths une troisième fois. Elle est considérée comme dure. Tiens donc. La quête des barbares alors. Le moulin, on est à 9,5, on n'a pas besoin de l'activer. Ça, par contre, on active. 1 sur 3. Allez, hop, tiens, tu vas me faire ça. Et là, je t'active. Plus 2. Et il me reste que un seul travailleur, donc on va rester comme ça. Ça me va bien. Allez, c'est parti. Allez, tu me fais des archers. Une quête de fête. Un peu d'argent. Ça c'est fait. Un bonus de 25%, c'est dommage, hein. On pourrait peut-être partir. Sur le mammouth. Je sais que c'est noté dur, mais j'ai pas l'impression. Hein. Assez de travailleurs, ok. Là, on en a collecté un nouveau. Oligarchie, plus 150 de pierres, de bois et de fer par seconde. Non, risque de révolte augmenté de 15%. Plus 28% et plus 7% de dommages. Non. On va rester sur ce qu'on a. Il nous reste deux barbares, une quête. Il n'y a pas une quête qui me permettrait de gagner de l'argent. Pourquoi pas? 35% de risque. Allez, on va y aller. On va finir notre dernier archer. Parfait. Passif. Non, on est plutôt pas mal comme ça. Les barbares qui nous attaquent. Ah oui.
Ah ouais, tu me mets ça. C'est ça qu'on aurait dû faire dès le départ. Tiens, mets-moi ça pour me protéger. Ah ouais, là c'est en train de tuer pas mal de gens de chez nous. On va s'en sortir. J'ai juste manqué un petit peu de réactivité. Voilà. Paf. Ok, là on est bon. Donc faut refaire des archers. On est à moins 3,6. Ah oui, ça c'est pas cool du tout. Ça. Là-dessus, non, j'ai besoin de ça. Ça c'est fait, ok. Donc on peut partir là-dessus. Là, on a un nouveau héros en collecte. Je peux pas merger. Non. C'est qu'il me faut les mêmes héros, sûrement. On va faire ça pour récupérer un petit peu. On a une très très grosse population, ça c'est chaud, on va attendre. Voilà, je veux pas d'autoclic. On a terminé 8 quêtes. Ça nous donne un héros. Là, il nous manque les barbares. Ça c'est quoi? Niveau 6, envoyer un missionnaire. Considéré comme dur. Si je fais ça, on va partir là-dessus. Crise sociale, ok, on peut tenter. Alors, la recherche, une révolution scientifique crée un risque de crise sociale. Ok. Bon, on va voir ça. Un nouveau héros. Plus 18% par seconde, on gagne 10%. Dommage. Plus 1,1 défense, 33%. Ok, bien mieux. Je préfère. Je veux pas que ça meure de faim, mais je veux pas gagner en population non plus. Hein. Ok, il n'y a pas eu de crise. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir prendre? Les maisons. Ça améliore notre lumber mill. Pourquoi pas?
On va quand même partir sur la phalange. Non, non, d'abord le bois et après la phalange. On a besoin d'argent. Ça c'est activé, c'est très bien. Il faudrait des travailleurs. Il me faut 1000. La phalange. Est-ce qu'on peut... Non. Non plus. Non, je veux un truc qui me donne de la nourriture. Ah, c'est ça. Hein. Quand ça s'est activé, plus 9 par seconde. C'est considéré comme normal. Eh bien, allons-y. C'est ça qu'on va avoir besoin. Plus de nourriture. Comme ça, on tendra vers les 1000. Bah déjà ça nous validera cet objectif là, ça nous donnera un travailleur supplémentaire. Là il y a quelque chose de nouveau. Vendre de la pierre. Lumber mill, upgrade, plus 5 par seconde, yes. La phalange c'est fait. J'ai l'impression que la courbe de progression est un petit peu plus douce. Hein. Et en termes de contenu, qu'il y a beaucoup plus de choses également. Hein. Ouais, il est toujours super agréable. Ce micro-civilisation, hein, je vous le conseille. Et je vous conseille de le suivre de près. Hein. C'est chill quand vous avez envie de passer un peu de temps. Des murs en pierre. Ok, c'est parti. On se protège pour ça. Non, ça j'attends que ça soit terminé. On n'a pas le choix. Ok, crise résolue. Si ça c'est pas beau. Héros et de l'or. On a terminé les barbares. Ça nous donne du temps pour la recherche. Bon, on est quasiment au bout. Hein. Voilà, ça va très très vite. On va prendre ce qui manque ici. Du coup, si on vient là... Il me reste encore une fois à le faire. C'est le boss final. Pour pouvoir activer la capacité spéciale de la fin de quête. Pour faire ça, il me faut... Ah, phalange. Ok. Plus 5 par seconde. Ouais. Pour l'instant, je peux pas me permettre tant que j'ai pas de nouveaux travailleurs. On a de l'espace. C'est pas un problème ça, franchement. On va l'activer rapidement. Voilà, moins 7, c'est pas grave. C'est juste le temps qu'on puisse faire nos phalanges. Là, on clique pour compenser. Ok, la deuxième est terminée. Et après, on passera à nos murs également.
on est au bout. Et vous voyez hein, que là, dans l'arbre technologique, enfin, on est encore très très loin. Là, on arrive au niveau 10. C'est pour terminer la démo. Mais on est encore très très loin dans les âges. Hein. On est genre à l'antiquité à peine. Hein. Ce qui augure énormément de choses pour la suite. Hein. Ah oui, ça baisse vite. Hein. Ça baisse très très vite. Allez, la troisième phalange. S'il vous plaît, on fait ça rapidement. Ok, paf. Là, on devrait pouvoir s'en dépatouiller. Faire notre dernier mur de pierre. Parfait, donc là, tu vas faire des maisons. En plus, ça, 31 de capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais faire tous les bâtiments, évidemment. Hein. Pas besoin de ça pour le moment. Et on va s'occuper de ça. C'est considéré comme dur. Normal. Ah oui, 8,4 par seconde. Là, ça peut être intéressant. Plus 9. Non, on va le tenter. Ça, c'est le nombre de morts qu'on a eu en fait. C'est vraiment ça. Allez, on va construire le marché. On n'aura pas assez de workers pour l'alimenter, mais c'est pas grave. C'est pas le but pour le moment. Quand on sera en paix, on pourra enlever certaines choses au niveau du non-militaire. Parce qu'on veut tout construire, évidemment. On va faire la carrière. Bon, on va essayer de la faire le plus rapidement possible. Ok, là on va repasser là-dessus. On veut se protéger. Paf, tout de suite. Ah oui, ça va être très compliqué. On va pas se mentir. On va se shielder. Si ça tombe des maisons, c'est pas grave. Pourquoi ça remonte? Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça. On peut faire ça. Ok, waouh, ça aurait été laborieux. On a encore
beaucoup d'espace parce qu'on a perdu beaucoup de population. Donc on va récupérer le héros, l'argent. Le héros, il fait quoi de nouveau? Alors, à collecter. Plus 31, plus 9% de dommages. Quand ça c'est actif, on gagne 1. Plus 30% par seconde à central plan. On va plutôt prendre ça. Toi, toi non. On va quand même tout ranger, hein. Il faut qu'on se refasse. Là, on a tout fait. Babel Tower, niveau 10. Ok. Est-ce que pour l'instant, on est obligé de faire ça? Pour l'instant, la reconstruction serait peut-être un petit peu plus intéressante. Donc, on enlève ça. Et j'enlève ça. Par contre, j'active ça. Ah oui, je l'active. Ainsi que ça. Ok. Là, ce qu'on a besoin de faire, c'est ça pour le moment. On va lancer... 78%. Ah ouais. Ok, on va attendre qu'on puisse que ce 13% là ne soit plus là. La limite, ça fait quoi? 0,3 par seconde. On va faire ça pour le moment, pour augmenter notre capacité encore. Ok, ça c'est fait. Ça, on va le faire également. Plus 10. Ah, on n'a plus d'espace vide, mince. Bah, du coup, on peut essayer de faire ça. D'ailleurs, est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit ici, là, ces nouvelles maisons. On revient, on est à 67 d'avance. Ici aussi, on les voit. J'aimerais qu'on arrive à 1000 de population. Comme ça, on aura un nouveau travailleur. On a une marge de 145. On les voit ici qui sont en train de se construire. C'est très très bien. Je pense que ça va remplacer au fur et à mesure les huttes classiques.
Ok, on va attendre. On a trop d'espace libre, hein, du coup. Voilà, c'est ça. La carrière. On arrive déjà presque au bout. On va attendre, on est à 2%. Trop de chaleur. Et chance de feu 1% parce que les maisons ne sont pas remplies. Alors on va terminer ça. Hop, rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vendre de la pierre. Vu qu'on a trop d'espace. Ah, et ici on va te filer un coup de main. On a besoin de dégager un travailleur. J'ai pas demandé à l'activer, hein. Ok, là on est pas mal. Prochain travailleur à combien? Oula, à 3000? Non. Ça nous donne un héros. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Là, on va le convertir. Parfait. Donc là, on gagne plus 9 par seconde. Du coup, j'ai zéro travailleur. Le bois, est-ce qu'on en a réellement besoin en ce moment? Pas plus que ça. Non, c'était pas ça que je voulais, c'est ça. Ok. Du coup, je peux activer ça. Ah, les phalanges demandent du bois. Ok. Alors, on va désactiver ça et on va réactiver ça. Pour fabriquer quelques phalanges. Là, on a un nouveau héros à collecter. Plus 30% par clic, plus 9% de dommages, 9% de dommages, autocratie. Quand ça s'est activé, plus 1,1 par seconde. Ben, il me plaît plus, hein. On est à plus 21 par seconde. C'est pas très bien. Allez, on va tenter ça. Pourquoi on est tombé à 70%? Moins 5% grâce à l'autocratie. Ok. Ah, 0,5% de la population tuée par seconde. Ah ouais, quand même. C'est pas grave. Non, on veut pas vendre. Ce que j'aurais voulu, par contre, l'espace vide. Voilà, on commence à être un peu juste, hein. Même avec une population qui... Oh, qu'est-ce qu'on a?
Votre civilisation va se terminer là. On va garder tous nos héros. Et en faisant de l'ascension, on peut gagner de nouveaux bonus permanents. Est-ce qu'on est prêt? Ben oui, on va tenter, hein. Ah, on aurait pu continuer là-dessus. Donc c'est les petites médailles qu'on gagne. Ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? On a 4 bonus et ça, je sais pas ce que, je sais pas trop ce que c'est. Alors, là-dessus. Ok. Base dommage, c'est ce que ça coûte. Génération de clics. On peut commencer avec beaucoup plus d'argent. Alors ouais, ça on veut. Je sais pas comment on les débloque. Ok, juste en cliquant dessus comme ça. Là, ça coûte cher. Ah oh, là, ok. Ça coûte 2. Mais avoir beaucoup de bois rapidement, c'est bien, hein. Ça coûte 2. On va partir là-dessus. Et derrière, après, ben, on recommence. Par contre, si on devait recommencer, par exemple, ce qu'on essaierait de faire, c'est de monter évidemment la tour de Babel jusqu'au niveau 10 pour voir ce que ça donne comme bonus. Voilà, et eh bien on va s'arrêter là pour ces retrouvailles sur Micro-Civilisation. J'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me faire vos retours, surtout via le clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, oui, vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.